Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel, on se retrouve pour le premier épisode sur ma chaîne YouTube où je vais vous présenter les 6 meilleurs modes de Final Fantasy 2019. Donc c'est parti. Donc voilà, donc on va commencer par je vais dire d'origine le 6M145. Il a été modifié, ils ont ajouté deux gyrophares plus le GPS plus un relevage avant qui est plutôt pas mal, donc je le trouve plus joli comme ça. Donc après il y a 76 max, non c'est tout en moyen, 76 max qui a sorti celui-là sans relevage avant, il a juste rajouté deux gyrophares qui est plutôt pas mal aussi, et celui-là qui est bien pour une carrière no cheat, on a besoin d'un relevage avant d'un tracteur pas trop puissant, pas assez trop cher, comme ça on a un relevage avant. Donc avec la benne ah, c'est quoi la benne, hardy, donc on peut la mettre en plusieurs idées, donc je vais vous faire voir dans le shop. Donc remords, donc voilà, allez ici, donc ici on est en 17 000 litres sans idèle, donc elle coûte 25 000 euros en 17 000 litres. En 18 000 litres on a des ridelles assez jolies à 27 000 euros. Ici on a 20 000 litres avec 3 ridelles à 29 000 euros. Donc c'est une benne qui est super bien faite. Moi je la trouve assez jolie. Donc voilà. Après il y en a des autres mais je ne vais pas vous les représenter. Ils ont déjà été présentés sur YouTube. Par exemple sur YouTube. Donc ici on a le magnifique Noland T7 290. Que je trouve super beau. Regardez-moi ça les amis. On le met en route. Écoutez-moi le bruit. Ici on a un Ford 5640 qui fait une puissance de 75 chevaux si je me trompe pas, 75 chevaux, et on peut le mettre, on peut soit l'avoir en 75 chevaux qui coûte 85 000 euros, en 85 chevaux qui coûte 88 000 euros, en 95 chevaux qui coûte 90 500 euros, et en 125 chevaux qui coûte 93 000. Après on peut mettre un chargeur avant, puis on peut mettre des masses d'équilibrage à l'arrière. Bon, on peut le mettre en pneu large plus les masses pour tasser les silos. Après on a les roues jumelées à l'arrière qui est plutôt joli comme ça. Et ici on peut le mettre en pneu droit pour pulvériser, c'est peut-être pas mal. Ou comme ça au communal. Donc voilà. Et ici on a le magnifique épandeur que je trouve c'est le plus beau mode pour l'instant, sous le Mac. Donc je vais vous présenter dans le shop. Voilà, alors épandeur. Donc ici on peut le prendre en occasion, en neuf, ou en black edition. En black edition il est pas mal. Mais moi j'aime bien en occasion. Je trouve qu'il est bien fait quand je préfère le seul en occasion. On peut mettre des roues neuves. On veut, on voit le pneu qui change, la jante qui est toute neuve, et ici on voit un peu où ouais, on peut mettre les roues en black edition aussi, ouais, c'est pas mal ça. Et aussi on peut mettre les roues d'occasion quand on voit les jantes un peu sales, les pneus, tout ça, les rissons qui est un peu roulé. On peut mettre des riders beaux, ouais, bon, pour charger avec un tracteur à fourche, c'est pas trop idéal. Il faudrait avoir qu'une ride à la droite ou à gauche. Mais bon, un télescopique tout seul. Donc il coûte 22 000 euros, il fait 16 000 litres, il est pas en 15 mètres, il faut un tracteur de 130 chevaux et il coûte 80 euros par jour. Donc ici, on a le KVH 1455 XL, il est de retour, il n'est pas d'origine en jeu, mais il est sorti en mode, heureusement, parce que mon petit 1455 là,
Donc c'est plutôt joli, écoutez-moi le bruit. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu. Et moi je te dis à bientôt pour mes prochaines vidéos. Et salut tout le monde.